L'aéroport de Sloviansk, dans l'est de l'Ukraine, est désormais sous contrôle russe. Des hommes cagoulés et armés sans un signe officiel se sont emparés des bâtiments, affirmant que les pistes d'atterrissage servaient à acheminer des soldats ukrainiens dans les régions de l'est. Situé à 110 km au nord de Donetsk, Sloviansk est devenu en quelques jours l'épicentre des tensions entre l'Ukraine et la Russie. La région échappe désormais au contrôle du pouvoir ukrainien. De son côté, Kiev a annoncé dimanche que des troupes allaient mener une contre-offensive dans l'est du pays.